Voilà. Alors, bienvenue à Léane est là avec. Tu peux-tu changer ton nom dans le. Parce que là, il y a deux Laurie. C'est comme. Ça fait une confusion. Alors, on va commencer à se présenter avant de parler. Alors, je suis Joanne Beaulieu. J'allais dire professeure. Je suis professeure. J'étais professeure à l'université depuis 2000. 8 au programme d'ergothérapie et maintenant je suis adjointe académique à la direction et au développement professionnel. Là, je suis responsable de ça au programme d'ergothérapie. Alors, c'est moi qui vais présenter le programme d'ergothérapie aujourd'hui et je suis en bonne compagnie avec deux étudiantes à la maîtrise qui vont pouvoir répondre à vos questions et parler un peu de leur expérience. Alors, il y a Laurie Audet-Rochon. Dis bonjour. Bonjour tout le monde. Eliane Brabant. Bonjour. Alors, voilà. Alors, vous intervenez, les filles, quand vous voulez et on va faire ça convivial. Si vous avez des questions, je peux vous permettre, je vois que j'ai la fonction, permettre de parler et il y a le question-réponse dans l'onglet, là, dans ce Zoom-là ou le webinaire qui appelle. Alors, gênez-vous pas pour poser vos questions aussi. On est 34 spectateurs en direct. C'est super. Alors, on se lance. Voilà, ça c'est dit. Et il y a Joanne Higgins qui est directrice du programme d'ergothérapie qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, c'est moi qui va parler du programme. C'est quoi le programme en ergothérapie à l'Université de Montréal? C'est 4 années et demie bien remplies, pourront vous confirmer les étudiants. C'est un programme intégré de formation, c'est un bac maîtrise, ma maîtrise professionnelle. Donc, 90 crédits au bac, 45 à la maîtrise. Et notre programme en ergothérapie a eu le sceau d'approbation de l'Association canadienne des ergothérapeutes. Donc, chaque université québécoise, mais en fait au Canada, on doit avoir un programme d'ergothérapie qui est approuvé par l'Association canadienne des ergothérapeutes. Donc, nous, on a eu une approbation pour 7 ans, ce qui est très bon. Donc, la qualité de l'enseignement de l'ergothérapie à notre programme est sans contester, là, une des meilleures au Québec. Pourquoi choisir notre programme? On a des pédagogies novatrices basées sur l'apprentissage par problème, qu'on appelle les APP. On utilise beaucoup de formations en laboratoire, d'habiletés cliniques, beaucoup de pratiques. Et les stages, plus de 1 000 heures au total. Dès la première année, il y a des stages. Donc, ça permet aux étudiants vraiment d'aller voir c'est quoi l'ergothérapie, de voir s'ils sont confortables dans la relation d'aide, dans les milieux, de connaître ça directement sur le terrain. Il y a des expériences d'apprentissage aussi en milieu communautaire, multiethnique et les professeurs. J'ai beaucoup de collègues de différents backgrounds avec différents axes de recherche. Donc, ça fait vraiment une variété de professeurs qui permettent un enseignement d'ergothérapie de qualité. Et il y a des stages internationaux qui sont disponibles. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ici? Non, c'est pas là. D'accord. Pour être admis en ergothérapie. Donc, quand on vient du cégep, ben, il faut avoir être titulaire d'un diplôme du cégep, avoir les cours de base, biochimie, maths. Là, j'avais des notes sur autre chose que j'ai perdu. Mais il y a aussi le parcours de personnes qui ont fait une autre profession, un autre métier. Donc, faut quand même avoir ces cours-là de base. Donc, on va vous donner les sites d'admission avec plus les critères en détail là, à la fin de la présentation. Donc, en détail, si on regarde le bac, on a 90 crédits, donc répartis sur 6 trimestres. La première année, c'est vraiment l'année là,
de base, qu'on pourrait dire, où les notions théoriques sont acquises là, dans les différents cours. Il y a des cours en ergothérapie, des cours dans un cursus global aussi, dans la faculté de médecine. En deuxième année, c'est le temps d'appliquer toutes ces notions-là à travers la démarche clinique. Donc, les clientèles qu'on voit en ergo, on va en parler plus tard, mais c'est là vous les voyez. Vous appliquez les notions théoriques dans la démarche d'APP, d'apprentissage par problème. Donc, les clientèles vues, c'est enfants, adolescents, adultes, aînés, en santé mentale, en santé physique. Et la troisième année, on va encore un peu plus loin dans l'intégration avec des cas un peu plus complexes. Donc, c'est vraiment, puis le souci des professeurs au programme, c'est vraiment de pas juste voir les notions théoriques, mais dans l'apprentissage par problème, puis dans le contexte là, de compétences, dans l'approche par compétences, c'est vraiment d'aller mettre l'étudiant au cœur de ses apprentissages, qui est actif et en offrant des opportunités d'appliquer ses habiletés cliniques. Je cherche le piton. À la maîtrise, alors là, il y a une possibilité de beaucoup de choix de cours options offerts par les différents profs selon leur sujet de recherche. Et c'est pour continuer d'approfondir. Si, par exemple, vous êtes intéressé à la pédiatrie, bien, vous pourrez choisir des cours qui vous permettent d'approfondir le rôle de l'ergo en pédiatrie dans différents contextes de pratique. Vous m'arrêtez hein, quand vous voulez parler? Oui, mais justement, j'allais vous arrêter. Peut-être pour ajouter les raisons pourquoi moi, de mon côté, j'ai choisi l'ergothérapie à l'Université de Montréal. En fait, il y a vraiment deux aspects. Il y a l'aspect concret de notre formation, puis aussi le côté recherche. Donc, un peu comme Mme Beaulieu l'a mentionné, dès notre première année, on a une expérience de stage communautaire. Et quand je comparais la structure de notre programme avec les autres universités, c'est vraiment ce qui est venu m'accrocher parce que dans d'autres universités, des fois, on n'a pas de stage avant la troisième année, alors que nous, dès la première année, on est mis sur le terrain. C'est vraiment ça qui a fait en sorte que j'ai pu apprendre de façon exponentielle comment créer des liens, comment rentrer en relation d'aide. Mais c'est aussi ça qui est venu confirmer mon envie de devenir ergothérapeute. Il y a aussi toute la structure du programme, là, comme on a vu la première année, la deuxième, la troisième qui suivent. Donc, il y a vraiment une séquence logique dans nos apprentissages, puis ça vient vraiment nous soutenir tout au long de notre parcours. Et l'autre côté qui a fait pencher la balance pour moi, c'est vraiment le côté de la recherche. Donc, je me suis toujours demandé si j'aimerais ça poursuivre une carrière en recherche ou une dualité entre la pratique clinique et la recherche. Et à l'Université de Montréal, on a vraiment la chance d'avoir des professeurs qui ont plusieurs projets de recherche et qui sont prêts à nous impliquer dans ces projets-là. Donc moi, dès ma deuxième année, j'ai pu faire un stage de recherche. Puis depuis, bien, j'adore ça puis je continue. Mais c'est vraiment mon programme à l'université qui m'a permis de découvrir cette avenue-là en ergo. Excellent, merci. C'est vrai, je n'avais pas parlé plus de l'aspect recherche. Laurie, tu voulais-tu ajouter quelque chose? Oui, bien, absolument. Merci Léane et puis bienvenue à tous dans le webinaire. Si là, je peux ajouter une petite touche personnelle, moi, qu'est-ce qui m'a fait faire le grand saut pour venir à Québec, étant donné que je ne suis pas originaire, venir à Montréal, pardon, étant donné que je suis originaire de Québec, qu'est-ce qui m'a fait faire le grand saut à l'Université de Montréal, c'est vraiment que les cours, tout le programme est vraiment axé aussi sur la pratique. On a des cours plus généraux au début, mais on embarque rapidement dans c'est quoi le cœur de l'ergothérapie, c'est quoi les évaluations, les interventions. Et je me souviens aussi quand je regardais les différents profils, ce qui m'avait personnellement beaucoup attiré, c'est la grande diversité de stages qu'on a à Montréal. Il y a 4 grands CIUS, il y a beaucoup à offrir dans le réseau privé aussi. C'est immense la variété qu'on a. Je ne sais pas si je me trompe, là, Joanne, tu pourras me corriger, mais Marc Rouleau, là, l'ancien directeur, me disait qu'il y avait plus de 150 milieux cliniques offerts dans le pool de stages, si on veut. Donc, c'est quand même assez considérable. Et puis, aussi, une chose dont je ne me doutais pas, et je ne savais pas que le programme était bâti comme ça, mais que j'ai appris à aimer beaucoup au fil des années, c'est qu'on a rapidement des cours en petits groupes.
Ça, pour moi, en première année, je me souviens, ça avait été un facilitateur à mon intégration. J'avais pu créer comme des liens d'amitié facilement. Puis, en deuxième année, on a une grosse proportion des cours qui sont aussi en petits groupes, en APP, comme il a été mentionné plus tôt. Juste pour l'apprentissage, je trouve ça vraiment facilitant. Poser des questions, c'est pas gênant. Et puis, pour l'intégration aussi, c'est un gros plus, à mon avis. Donc, voilà. Merci. Tu réponds à la question. Merci. Alors, je continue, mais gênez-vous pas là, de poser vos questions. J'ai peut-être moyen de lever vos mains si vous voulez parler ou à la fin, on va avoir du temps pour ça. Donc, on parle de l'ergothérapie, mais peut-être certains d'entre vous vous dites, mais voyons, qu'est-ce que l'ergothérapie, hein? On passe, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis ergothérapeute et il faut encore définir notre profession, puis ça fait partie de l'apprentissage. Hein? Dès la première année, on vous invite à apprendre, à définir l'ergothérapie. Donc, c'est un professionnel de la santé essentiel dans notre réseau de la santé. Beaucoup de relations d'aide. On peut travailler dans différents milieux. J'ai mis des exemples, là, c'est pas exhaustif, là, avec différentes clientèles et différents milieux. Comme, je pense que c'est Laurie qui parlait, là aussi, on peut travailler dans un centre hospitalier, centre de réadaptation. De plus en plus, il y a des stages offerts en milieu communautaire, dans des organismes communautaires, avec une clientèle, là, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, avec des troubles, là, de la schizophrénie à paralysie cérébrale chez l'enfant, c'est très varié et je pense que ça, c'est notre façon de se distinguer aussi. C'est aussi avec notre façon de concevoir la personne. Hein, la personne dans son environnement qui veut réaliser ses occupations. Donc, notre but en ergothérapie, c'est vraiment de maintenir la personne malgré sa maladie, malgré ses incapacités. On veut maintenir la personne dans ses occupations en cohérence avec son environnement. Et, les occupations, ça veut conduire une auto, jouer pour un enfant, préparer un repas ou simplement marcher dans un groupe. Donc, ça peut être diversifié et ce que j'aime de la profession, c'est qu'on est vraiment près des gens, près de ce que les personnes veulent faire. Et nous, on peut analyser qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent plus réaliser leur occupation attendue à cause de la maladie ou autre incapacité. Je regarde s'ils ont des choses à dire. Donc, notre programme est basé là, sur le profil de pratique de l'ergothérapie au Canada, qui est fait par l'Association canadienne des ergothérapeutes. Donc, on cherche à développer chez nos étudiants les 7 compétences qui sont là représentées sous forme d'un fleur. Et au centre, c'est vraiment être expert, habilité de l'occupation. Donc, c'est vraiment notre, comment on pourrait dire ça, pas notre expertise, mais notre façon de se distinguer des autres professionnels et qu'on peut être un complément à tous les autres professionnels, que ce soit physio, médecin, infirmière, psychologue, kinésiologue aussi. Donc, on apporte un complément par notre regard sur l'occupation que réalise la personne et que la personne veut réaliser aussi. Peut-être sur une note un peu plus personnelle, pourquoi moi j'ai choisi l'ergothérapie. En fait, je voulais une profession qui me permettait d'aider les autres. Donc, la relation d'aide, c'est central. Puis, un peu comme Mme Beaulieu a dit, non seulement on aide, mais on s'assure que c'est vraiment ce que le patient il veut, selon ses occupations à lui et son environnement à lui. Donc, on est toujours en train de s'ajuster, d'être créatif. On peut avoir 2 personnes avec exactement la même pathologie, le même problème, mais avoir des plans de réadaptation complètement différents parce que pour un, c'est important d'aller prendre des marches avec son chien, puis pour l'autre, c'est important de cuisiner avec sa famille. Donc, c'est un peu ça l'aspect. C'est toujours des défis, c'est toujours de l'ajustement, c'est super personnalisé. Puis
L'autre chose que j'aime beaucoup de l'ergo, puis pourquoi j'ai choisi, c'est parce que c'est une profession qui est toujours en train d'évoluer, puis qu'on veuille travailler à l'urgence, en clinique privée, dans des pays en développement, en centre de réadaptation avec les enfants, les adultes. La formation qu'on reçoit nous permet de travailler avec toutes ces clientèles-là dans tous les milieux, mais aussi de changer en cours de route. Donc, on peut commencer en pratique privée puis décider d'aller dans un centre hospitalier après quelques années. On peut décider de commencer à travailler en réadaptation AVC puis terminer en thérapie à cheval avec les enfants. Donc, vraiment, peu importe ce qu'on veut faire, en ergothérapie, on a de la place pour créer, mais aussi pour trouver notre pratique de rêve. Oui, merci. Si je peux permettre de glisser un mot. En fait, là, pour moi, la profession d'ergothérapie, ça a longtemps été une certitude là, dans ma vie. Depuis, je dirais, le secondaire cégep, j'ai toujours été intéressée par les sciences de la réadaptation. Puis, ce qui me rejoint le plus vraiment, c'est le fait d'être centrée sur les occupations, sur ce que la personne veut faire, ce qui est important pour elle. Puis, le regard aussi qu'on a, le pouvoir d'agir qu'on a sur l'environnement de la personne, c'est extrêmement intéressant, tout ce qu'on peut faire. On peut adapter le domicile de la personne, on peut suggérer des aides techniques, on peut ajuster son fauteuil roulant. On va vraiment, là, on agit autant avec la personne que dans son environnement. C'est vraiment une belle approche, et une belle complexité qu'on apprend à maîtriser au fil des années. Et il y a aussi tout l'aspect de l'environnement social de la personne qu'il faut prendre en compte. En ergothérapie, on est bon pour ça, on est bien placé pour le faire. Et c'est très polyvalent, puis c'est très centré sur la personne. C'est un bel amalgame d'atouts que moi, personnellement, ça me rejoignait beaucoup. Pardon. Puis si je peux complémenter, là, quand Léane disait que c'est des clientèles très variées, c'est vrai. Puis je trouve que l'aspect aussi qui vient nous distinguer, c'est vraiment que avec toutes ces clientèles-là, ce qu'on valorise au final, c'est toujours la justice occupationnelle, l'inclusion sociale. C'est prometteur dans le sens où on veut inclure les gens en situation de handicap. On a cette fibre-là en ergo que c'est des valeurs qu'on dégage. Voilà. Puis sinon, c'est ça. Il y a toujours moyen de changer de clientèle. Par exemple, moi, au début de mon parcours, j'étais intéressée beaucoup plus par la pédiatrie. Puis avec le fil des stages et des cours, bien, j'ai découvert un intérêt vraiment singulier pour la réadaptation avec les personnes âgées. Dans tous les cas, en sortant de l'école, les deux sont possibles. Donc, c'est sûr que c'est attrayant pour ça. On peut se laisser la place d'explorer. Puis, il y a toujours une avenue pour nous à la fin. Donc, c'est bien qu'on puisse avoir ce champ libre-là. Merci, Laurie. Merci. C'est vrai, vous me faites penser à plein de choses que en ergothérapie, on ne s'ennuie pas. Hein, ça demande d'être créatif. Et comme je pense que Léane disait, on peut avoir deux patients qui ont le même diagnostic, mais on ne va pas agir pareil. C'est ça que j'aimais, ça ne devient pas routinier parce qu'on est toujours amené à changer. Puis les occupations ne sont pas les mêmes pour chaque individu. Et c'est très innovant, c'est une profession qui est toujours en mouvement, qui est dynamique. Peut-être que ça va avec les personnes. Là, il y a beaucoup de recherches qui se font en ergothérapie. Et ce que tu parlais, Laurie, justice occupationnelle, c'est dans nos valeurs de maintenir la personne dans ses occupations parce qu'on croit à la base que la santé, le bien-être, ça va quand on est occupé, qu'on a des occupations en vivant un flow qu'on appelle, tu sais, qu'on est en état de bien-être dans nos occupations. Donc, ça aussi, il y a plein de pratiques innovantes qui s'en viennent, là, je sais, avec les nouvelles ergos qui s'en viennent sur le marché du travail avec leurs idées, là. C'est ça qui est très prometteur, en effet. Il y a une question, je ne sais pas si... Ah, merci. J'avais un autre point aussi avant sur l'ergothérapie. Bon, ça va m'en venir.
Je vais poursuivre. Aussi. Donc, si on vous donne un peu une idée sur les méthodes pédagogiques. Donc, on a parlé apprentissage par problème, les APP, méthodes de cas qui ressemblent aussi aux APP. C'est beaucoup de travaux en petits groupes, là, comme Laurie a dit, où vous partagez, vous apprenez à négocier, à travailler ensemble, parce que c'est ça aussi, hein, professionnel, ergothérapeute, on travaille avec une équipe interdisciplinaire. On a des cours justement pour favoriser la collaboration interprofessionnelle là, avec la faculté de médecine. Il y a des exposés magistraux interactifs parce que c'est sûr qu'on prend beaucoup, comme je disais, que les étudiants sont au cœur de leur apprentissage. Donc, il y a beaucoup d'échanges, on pose des questions, il y a des exercices. On amène des questions de réflexion beaucoup. Hein, dans des cours de portfolio qu'on dit, c'est plus la pratique réflexive parce que pourquoi ça? C'est que quand on est professionnel de la santé, ben si on fait tout le temps la même chose avec tous les patients, ben c'est pas être compétent. Donc, pour maintenir une compétence à la fin de notre bac maîtrise, ben il faut maintenir une formation continue. Donc, la pensée critique, la pensée réflexive, ça l'aide à ça. Vu qu'on est aussi membre, il y a un ordre d'ergothérapeutes du Québec qui aide à protéger le public. Donc, en étant membre de l'ordre, on est soumis à certaines règles et normes de pratique. Il y a certains ergots qui vont être développés comme une pratique en adaptation des milieux de travail. Donc, ils vont visiter des milieux de travail pour voir comment la personne peut maintenir son travail malgré une difficulté. Ça aussi, ça va être, vous allez en voir dans le stage clinique. Et d'autres méthodes d'évaluation, on a beaucoup d'examens pratiques, des travaux individuels de groupe. Et on a un logiciel là, pour faire des examens à l'ordinateur. Depuis quelques années, toutes les cohortes ont accès à ça. Là, ce n'est pas pour décourager personne, mais j'ai mis un horaire type en deuxième année, pas dans la première année que je vois. Donc, c'est juste pour voir. Des fois, c'est plus rempli que d'autres, mais c'est assez rempli quand même. Hein. L'horaire, et parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a un professionnel de la santé que quand vous finissez bac, maîtrise, vous êtes prêt à pratiquer, à aller sur le marché du travail au Québec. Il n'y a pas d'examen, vous êtes ergothérapeute et membre de l'ordre. Bon, il faut payer la cotisation pour être membre de l'ordre, mais donc c'est pour ça qu'on s'assure d'avoir un programme qui offre des cours de qualité pour être des professionnels d'ergothérapie compétents. Voici une idée un peu des cours qui existent, là, qui sont à faire en première année. Donc, je ne sais pas si vous aviez des choses à ajouter là-dessus. Donc, c'est assez varié. En première année, comme je vous disais, c'est vraiment les notions de base, anatomie, fonction du système nerveux. Il y a quand même des cours de base aussi en ergothérapie par rapport au concept de base, là, personne, occupation, environnement. Et accompagnement milieu communautaire, c'est déjà un stage. Donc, vous êtes déjà mis en situation là, réelle avec un superviseur. L'hiver aussi, aux deux sessions. La deuxième année, c'est vraiment un petit groupe avec où toutes les clientèles sont vues à travers des laboratoires, des APP et des cours là, magistraux interactifs. Et la troisième année, on y va dans les problématiques plus complexes. Et vous voyez, il y a toujours le cours, le CSS, qu'on appelle collaboration en sciences de la santé. C'est vraiment avec toute la faculté de médecine et plus pour travailler vraiment avec le patient partenaire. Parce que aussi à l'Université de Montréal, qu'est-ce qui nous distingue, c'est qu'on a un bureau du patient, du partenariat patient. Donc, on a beaucoup de personnes qui ont vécu un épisode de soins et qui participent aux enseignements à la faculté de médecine, ce qui fait qu'on peut vraiment comprendre plus leur réalité et intégrer ça dans notre façon d'être, donc dans leur relation d'être. Et ça, c'est un plus. Oui.
si je peux me permettre, là, par rapport à l'horaire type et les cours que vous avez vus, c'est très chargé, comme Mme Beaulieu a dit, c'est vrai, puis on ne va pas le cacher. Par contre, on est bien accompagné pour réussir. On n'est pas laissé à nous-mêmes. On a un bon accompagnement de la part des professeurs, mais aussi des étudiants des années plus vieilles. Donc, on a des programmes de parrainage, marrainage. Et il y a beaucoup d'étudiants qui réussissent à travailler, à avoir un emploi en même temps. Donc, on réussit quand même à avoir un bon équilibre, même si c'est un programme qui est très demandant. Merci, Léa. Si je ne me trompe pas aussi, il y a un programme d'aide pour les étudiants en première année. Je ne sais pas si c'est toujours en fonction. Mais je sais que j'avais des collègues qui faisaient du tutorat. Oui, c'est encore en fonction. Ah, oui. Bon, mais c'est une belle ressource là, qui s'est ajoutée au fil des années. Effectivement, j'ai appris ça dans mes nouvelles tâches là, qui existent comme professeur. Non, c'est nouveau, c'est bien. Mais oui, j'ai vu que c'est des étudiants de deuxième, troisième, je pense, qui peuvent accompagner, donner du tutorat aux étudiants de première. Et je pense que ça devrait être plus connu, puis ça peut aider parce qu'en première année, bon, vous arrivez du cégep, c'est sûr qu'une transition hein, à l'université, un programme chargé, nouvelles personnes, nouvelles façons de faire. Et donc, ça peut, c'est aidant d'avoir un père. Puis ailleurs, qui nous aide là, à faire cette transition-là. C'est une bonne idée d'en parler. On est un petit programme quand même. On est dans un pavillon qui est un peu reclus. C'est la faculté de réadaptation. Donc, on finit tous par se connaître puis à s'entraider. Fait que ça devient vraiment comme une grosse bulle. Donc, on n'est pas laissé tout seul. C'est vrai. Puis peut-être, je me permettrais d'ajouter que on a une culture de porte ouverte qu'on appelle. Quand on est dans un monde de présence, présentiel, comme d'habitude, nos portes sont ouvertes. Vous pouvez toujours avoir accès aux professeurs par courriel, par des rencontres. Vous êtes d'accord avec moi, les étudiantes, mais on n'est pas. Faut pas être gêné de venir demander de l'aide aux professeurs. Fait que c'est ça qui est vraiment prôné, puis peut-être qui nous distingue aussi des autres programmes. Donc, pour finir, la maîtrise, alors, c'est des cours à option. Il y a quelques cours obligatoires. Il y a le projet d'intégration où ça peut prendre forme d'une mini-recherche qui est présenté au colloque. Là, j'ai mis ceux qui ont terminé en décembre 2021. Donc, c'est toujours un moment excitant. Ils viennent présenter oralement leur projet d'intégration à leur cohorte. Et c'est signe, quand c'est le colloque, c'est signe que le bac maîtrise est terminé et que j'ai des nouvelles collègues ergothérapeutes, car c'est la fin des études. Il y a un cheminement international, mais je pense que pour ça, il y a des informations plus spécifiques là, qui vont avoir lieu. Si ça vous intéresse, on peut toujours répondre à vos questions. Donc, c'est terminé pour notre présentation. Je vous ai mis ici des liens importants à aller voir pour prendre plus d'informations sur l'admission, sur le programme là, en ergothérapie. On a des pages, une page Facebook, programme d'ergothérapie à l'École de réadaptation à l'Université de Montréal. On est sur Instagram, sur Facebook. Donc, allez voir toutes les nouvelles. Là. On est assez actifs. J'ai mis une photo de notre pavillon, comme disait Laurie ou Léane. On n'est pas sur le campus même, on est sur Coin Parc Jean Talon. Donc, notre pavillon s'appelle le pavillon Parc. Si jamais vous passez, on est en virtuel, mais peut-être en février, on se croise les doigts, on se rend en présentiel, donc vous pouvez venir visiter. Je ne sais pas s'il va y avoir un jour des visites, mais on verra. Alors, vous pouvez nous contacter aussi, j'ai mis les numéros de téléphone. Les étudiantes avaient un dernier mot? Ben, pour terminer, moi, personnellement, plus j'étudie l'ergothérapie, plus je découvre une passion pour l'ergothérapie. Donc, j'espère qu'on va pouvoir se croiser à l'école, puis que l'ergothérapie, ben, ça peut être une profession qui va vous stimuler autant qu'elle me stimule, puis vous trouverez un programme d'études qui va vous permettre d'innover et de poursuivre votre passion. Merci.
Bien, je voulais vous terminer en vous remerciant d'être venu. J'espère que ça vous a un peu éclairé, du moins du mieux qu'on a pu. Puis aussi, juste peut-être, si on sort un peu du cadre académique, là, moi, j'aimerais préciser que il y a vraiment une belle ambiance amicale là, au sein de la faculté de Réadapt en ergophysio. Moi, j'ai fait des rencontres, des très belles rencontres. J'ai beaucoup de plaisir, bien sûr. J'en ai encore en Zoom, mais quand c'était en présentiel, je me suis impliquée beaucoup. J'ai fait partie d'équipes sportives. Il y a toujours des activités extra parascolaires, si ça vous intéresse. Des activités créatives, sportives, des parties de danse costumées. Donc, il y a beaucoup à offrir, je pense, puis c'est des gens en général très gentils et respectueux. Donc, on peut y faire des belles rencontres. Mais ça, c'est pour l'aspect social, l'aspect académique, on en a assez parlé. Mais dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été là, puis on peut finir peut-être avec quelques questions ouais. Dans le chat. Merci aussi d'avoir été à l'écoute. Je peux répondre aux questions un peu live. Ben, tu réponds, Léane. Il y a une personne qui a levé sa main. Alors, Geneviève Gagné, je vous donne la parole. Oui, dans le fond, j'ai vu comme plusieurs informations contradictoires par rapport à la question que je vais vous poser. Dans le fond, moi, je croyais qu'on pouvait commencer à pratiquer l'ergothérapie dès la fin du bac, mais j'ai aussi des gens qui parlent que la maîtrise est à faire avant de pouvoir commencer la pratique. Oui, depuis quelques années, la maîtrise est obligatoire pour pratiquer. OK. Je ne sais pas où vous avez pris les informations pour le bac, mais ce n'est plus en vigueur. Là, pour nous, on offre le continuum bac-maîtrise qui donne le droit de pratique. Est-ce que vous avez en tête une idée de cheminement particulier comme exemple? Non, c'est seulement vu que je fais un retour aux études. Dans le fond, je voulais un programme qui n'allait pas s'étirer sur plusieurs années non plus. Idéalement, quelque chose qui me permet de rejoindre le marché du travail directement après le bac. OK. Donc, je sais qu'il y a certains programmes qui plus au côté anglophone, qui sont différents. Mais nous, à l'Université de Montréal, là, c'est vraiment un continuum bac-maîtrise. OK, merci. Je vais regarder ça. De plaisir. Je donne la parole à Léa. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais deux petites questions. C'est quoi vraiment la différence entre physio puis ergo? Classique. Oui. Une question classique. Je vais demander, je vais répondre, mais si les étudiantes ont des compléments à faire, vous êtes les bienvenus. Alors moi, la différence que je vois ergo-physio, c'est que en physio, c'est sûr qu'on est dans la même école, l'école de réadaptation. Ici, là, je suis à mon bureau au Pavillon Parc. Ergo d'un côté, physio de l'autre côté. On partage certaines choses, mais au niveau de l'analyse des difficultés de la personne, c'est différent. Nous, on regarde vraiment comment sa maladie, le diagnostic, a un impact dans le fonctionnement de ses occupations à la personne. Donc, on va voir l'écart entre, elle veut faire un repas, un sandwich aux tomates, mais elle est en fauteuil roulant suite à un accident cérébrovasculaire. Donc, je connais les exigences de faire un sandwich aux tomates et je vais regarder ses capacités à la personne et je vais analyser l'écart et dans mes interventions, je vais réduire l'écart, soit en agissant sur la personne, en augmentant ses capacités ou en agissant sur l'environnement. Donc, je peux baisser les comptoirs, je peux recommander des choses dans l'environnement et je peux
adapter aussi l'occupation. Ça veut dire que je peux dire ben, d'aller chercher des aides techniques. Donc, c'est ça la différence, c'est ça l'ergothérapie, ce que le physio ne fait pas, selon moi. Peut-être en supplément, un exemple que je donne souvent à ma famille, là, c'est une question qui nous revient tout le temps. Par exemple, pour quelqu'un qui s'est blessé au bras, le physiothérapeute va vraiment regarder le biomécanique, fait que le mouvement qui peut être réalisé, puis il va tenter d'améliorer ce mouvement-là, diminuer la douleur. Nous, on va regarder, oui, le côté biomécanique, mais on va regarder un peu plus général dans sa vie de tous les jours, qu'est-ce que la personne ne peut pas faire à cause de son bras. Donc, elle ne peut pas, par exemple, atteindre les verres dans ses armoires. Elle ne peut pas se brosser les dents. Elle a la difficulté à taper pendant ses cours en ligne. Donc, nous, on va vraiment aller voir qu'est-ce que le problème engendre comme limitation dans son fonctionnement quotidien. Puis, on va essayer de trouver des adaptations, des compensations, puis tout en essayant d'améliorer aussi la fonction. Donc, on va un peu plus élargir. OK, parfait. Parce que moi, je fais beaucoup de sport, en fait, puis j'ai vu beaucoup, beaucoup de physio, justement, pour des blessures. Mais j'aime l'aspect d'ergothérapie qui voit le milieu aussi, puis qui... pense aussi à l'aspect mental, mais je me demandais, y a-t-il comme un domaine, quand vous avez écrit santé physique, est-ce que comme vous pouvez travailler dans le sport ou Oui, non, je pense que l'ergothérapie, ça va. T'sais, le sport, c'est une occupation. Moi, je vois notre pratique un peu qui devrait se développer avec les athlètes, mais les athlètes qui ne peuvent plus pratiquer leur sport d'athlète. Là. Donc, ils ont comme un deuil occupationnel qu'on appelle. Donc, on peut être impliqué pour qu'ils se retrouvent un sens à leur vie, à leurs occupations, même s'ils ne s'entraînent plus pour aller aux Jeux olympiques. Donc, il y a l'aspect, c'est même en santé physique, je pense qu'il y a toujours l'aspect affectif, santé mentale. On ne peut pas dissocier. Les milieux, on dissocie ça, mais l'être humain étant ce qu'il est, c'est un complément. On est les deux. Hein? Autant notre physique peut être atteint, mais ça va des fois nous décourager, démoraliser. Donc, les deux parties peuvent être jointes là, en ergothérapie sans problème. Fait que oui, il y a de la place à développer plein de choses avec le sport. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Léane et Laurie. Oui, puis je pense aussi, par exemple, moi, une des raisons pourquoi j'avais choisi l'ergothérapie, c'est que j'aime beaucoup la natation. Je suis toujours dans l'eau, j'ai grandi dans le milieu aquatique et il y a beaucoup c'est en train de se développer des thérapies dans l'eau, des thérapies par la natation. Il y a beaucoup de personnes qui aiment faire du vélo, donc il y a des réadaptations à vélo. Donc, on peut aussi utiliser le sport comme moyen de réadaptation, l'ergothérapie nous donne beaucoup de place pour faire. Il y a beaucoup en général, dans l'ergothérapie, il y a beaucoup de place qui est accordée au loisir. C'est une branche, tu sais, souvent, il y a le retour à domicile, il y a le retour au travail, mais il y a aussi le retour à l'intégration plus sociale avec les loisirs. Je pense, tu sais, par rapport, exemple, juste le sport, le plein air, les activités artistiques, tous les loisirs qui permettent de développer les capacités de la personne. Et on peut faire de la réintégration au travers des loisirs pour développer la capacité de la personne. Donc, ça, bref, c'est des belles avenues. Mm. Ben, si je peux, mettons, donner un très court exemple. Moi, cet été, j'ai travaillé pour un organisme communautaire qui avait été fondé par un ergothérapeute qui visait la clientèle en déficience intellectuelle, puis à mobilité réduite, là, c'était de santé physique puis DI. Et puis on faisait du vélo adapté, je faisais du kayak adapté, j'ai fait, du kayak avec un jeune qui avait un TSA qui avait peur de l'eau, j'ai fait du vélo avec quelqu'un qui avait eu un AVC qui devait propulser avec ses bras et il ne pouvait plus propulser avec ses jambes. Donc, tu sais, c'est plein d'adaptations créatives comme ça qui permettent aux gens d'avoir accès à leurs loisirs. Ce n'est pas dans tous les milieux qu'on fait ça, mais il y en a des ergots qui en font un peu. Parfait, bien, merci beaucoup. Merci.
Alors, pour répondre, il y a une question, est-ce que la présentation peut être visionnée en différé? Oui, mais par le site là, Admission U Montréal, c'est enregistré, donc ça peut être présenté sans problème. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? La cote R, je pense, c'est ça, hein, c'est RU. Elle varie d'année en année. La dernière, je ne saurais vous dire, mais je sais que ça peut varier. Savez-vous, les filles, la dernière? Dans les portes ouvertes de l'année passée. Autour de 32, mais oui, nous, ça fait longtemps qu'on a été acceptés. Je suis plus trop à jour. L'information est disponible sur le site. Oui. Ouais. Mais c'est autour de 32, ça peut varier. Oui. 32, 34. Entre, oui, il y a un barème, c'est sûr. C'est quoi l'équivalence pour la code Z? Parce que la code R, ce sont, on le voit partout, mais la code Z, j'ai pas réussi à trouver l'information sur qu'est-ce qui est requis. OK. C'est une bonne question, peut-être. Il y a une conversion qui est faite si c'est une code Z que vous avez, mais le calcul, je ne sais pas exactement comment il se fait. Peut-être okay. Écrire à Admission U Montréal, ils vont vous le indiquer. Ouais. OK. Laurie, tu as une question pour toi. Je te laisse répondre. Des exemples en santé mentale. Veux-tu répondre, Léane, ou je réponds? Bien, fait, étant donné votre pratique, vous, ouais. Vous lancez, puis vous complétez, mais c'est vous qui nous avez appris, donc... On ne dira pas plus que ce que c'est vous avez. C'est vrai, c'est un peu gênant. Mais parce que ça fait depuis, c'est ça, presque plus de 20 ans là, que je suis ergothérapeute, mais toujours en santé mentale. Donc, c'est pour ça, c'est moi qui enseigne une bonne partie aux ergothérapeutes en deuxième année de la santé mentale et aux étudiants, c'est-à-dire en santé mentale. Et un exemple, ben, ça peut être toutes sortes de choses, mais... qu'est-ce qui serait plus parlant? C'est beaucoup avec des personnes avec un trouble anxieux, par exemple, qui pourraient, des jeunes, des adolescents, des adultes qui ne sortent plus parce que, pour toutes sortes de raisons, ils évitent, il y a un évitement par leur anxiété. Donc, en ergothérapie, ça paraît pas, c'est pas physique. Donc, ça, le diagnostic de santé mentale permet de que la personne retrouve ses occupations. Donc, on va travailler à la personne, à la mobiliser, à travailler avec elle, de voir, bon, de parler plus de son anxiété, donner des trucs de gestion d'anxiété et de tranquillement sortir avec elle. On va faire l'occupation avec elle, contrairement à d'autres professionnels qui restent dans le bureau à parler. Nous, on va passer à l'action. Puis ça peut être des activités qu'on le fait dans le centre hospitalier, en clinique privée ou même à domicile. On peut aller dans un café, c'est très créatif. On y va avec justement qu'est-ce que la personne aime. Un autre exemple avec des jeunes qui ont fait des psychoses, qui ont un peu la schizophrénie, ils perdent beaucoup d'habiletés sociales. Donc, on va travailler en réadaptation pour les aider. Avec un groupe, on travaille beaucoup en groupe pour les aider à développer, de reprendre les habiletés sociales, apprendre à demander à un ami, « Ah, oh, ça te tente-tu d'aller jouer au billard à soir? » Donc, on va travailler ça. Je fais compléter, là, c'est pas gênant. Non, bien, c'est ça, comme vous l'avez dit, de l'exposition graduée à une occupation particulière qui pourrait générer de l'anxiété. Une approche en santé mentale qui est très forte, c'est les thérapies de groupe. On n'est pas les seuls professionnels à le faire, on le fait souvent conjointement. Et sinon, toute la gestion d'émotions, gestion d'énergie qui sont interreliées, notre approche, nous, on vise beaucoup ce qu'on appelle l'équilibre occupationnel. Donc, un équilibre entre, par exemple, quelqu'un qui aurait des symptômes dépressifs qui voudrait retourner au travail, bien, un équilibre entre ses soins personnels, ses loisirs, une réactivation dans son quotidien, pour avoir ce sentiment-là de bien-être dans ses occupations qui va le propulser ailleurs dans son rétablissement. Donc, je pense que c'est ça. C'est une branche qui est moins connue, mais une branche qui est très riche. Donc, c'est sûr que si vous aimez la santé mentale, c'est une belle avenue, je pense. J'adore, ben oui. Je donne la parole à Biba.
Oui, je réponds. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Et moi, ma question est que bon, je suis en France actuellement, je suis infirmière clinicienne et donc je vais venir m'installer à Montréal au courant septembre-octobre de cette année pour travailler à l'hôpital à Montréal. Et mon fils passe son baccalauréat cette année au mois de juin. Donc ma question est la suivante, est-ce que je dois l'inscrire en cégep ou peut-il intégrer directement le cursus d'ergothérapie du coup? Je crois qu'il faut qu'il soit au cégep. Donc, il faut qu'il passe par le cégep pour pouvoir après accéder à... Oui, je crois que oui, parce que le baccalauréat en France, ce n'est pas le même qu'ici. Donc, peut-être vous informer au gouvernement, au ministère de l'Éducation pour les équivalents, mais c'est comme un autre domaine là, pour nous, là. Ah oui, parce que justement, je me suis renseignée, eux m'ont dit de voir avec les universités directement. Mais ça prend les cours de base, là, comme on a écrit. Mais peut-être aussi demander admission à Montréal, voir s'ils ont d'autres informations plus précises, mais il y a les cours au cégep qui sont souvent demandés, là. Je connais des personnes qui n'ont pas fait le cégep, mais qui font des cours d'équivalence à l'université. Donc, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais des fois, on n'est pas obligé de faire le 2 ans complet de cégep quand on vient de France. On peut regarder c'est quoi les prérequis pour un programme et les faire à l'université. Oui, mais ça, Léane, c'est pour des ergothérapeutes en France. Oui, mais par exemple, nos étudiants du Nouveau-Brunswick qui n'ont pas de cégep, ils font des cours à l'université qui sont comme l'équivalent d'un cégep pour nous et ça leur permet de débuter le bac. Bon point. D'accord. Donc, il y a peut-être des cours équivalents, oui. C'est une bonne. Mais peut-être écrire à Admission Montréal, mais ou soumettre la question spécifique. Là. D'accord. OK, merci. Merci. Il y a Laurie que je te permets de parler. J'ai ouvert le micro. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Okay. Ben, j'ai une question pour Laurie concernant les choix d'université un peu plus. Là. Laurie, tu as mentionné que tu habitais à Québec puis tu as choisi de venir à Montréal, à l'Université de Montréal pour le programme d'ergothérapie. Je me demandais qu'est-ce qui t'a fait pencher vers l'Université de Montréal alors que l'Université Laval à Québec, justement, oui. D'ergothérapie assez semblable. Oui, c'est un bon point. Merci pour ta question. Écoute, c'est un choix très personnel aussi. Moi, j'ai décidé de vouloir sortir de ma zone de confort. J'avais de la parenté, des amis à Montréal. Mais c'est ça, c'est vraiment... je cherchais... Là, je ne vais pas faire de comparatif entre les deux universités. Là, je vais juste parler de la mienne. Je cherchais vraiment un programme qui était plus axé sur la pratique et moins sur la théorie. Je suis convaincue que toutes les universités forment des ergothérapeutes compétents. Mais moi, pour moi, c'était vraiment le fait que ce soit plus axé sur les stages dès le début puis que ça soit plus axé sur les APP en petits groupes, en résolution de problèmes. Et on touche aussi toutes les grandes bases théoriques de l'ergothérapie, mais on les applique plus rapidement, je crois, que dans d'autres certains programmes. Mais encore une fois, c'était vraiment... il y a 4 ans, quand il fallait que je dépose ma candidature, j'y ai vraiment longuement réfléchi, mais c'était aussi un choix personnel là, que je voulais venir à Montréal. Mais voilà, c'est le côté appliqué qui m'a fait pencher. Voilà. J'espère que ça répond, mais c'est très personnalisé. Là. Ça dépend aussi de ce que tu recherches. Donc, oui, voilà. C'est bon. Merci. Merci. Il y a d'autres mains levées. Je vois des questions. Il y a une question pour moi pour si ça prend un doctorat pour devenir professeur, en fait. Moi, je suis clinicienne depuis très longtemps. Comme je vous ai dit, en 2008, quand ils ont fait le programme par compétence, ils cherchaient des professeurs cliniciens qui appellent. Et j'ai une maîtrise parce que j'ai fait d'autres parcours avant l'ergothérapie à l'Université Laval à Québec, d'ailleurs, même si je ne viens pas de là. Mais j'avais une maîtrise seulement. Donc, j'ai rentré comme professeur de clinique qu'on appelle pour
pour enseigner, pour aider à l'enseignement. Mais il y a des professeurs qu'on peut appeler ceux qui font de la recherche. Et eux, ils ont un doctorat et un post-doctorat. Pour avoir un poste de professeur-chercheur à notre programme, ça prend le doctorat et le post-doctorat. Mais on peut être professeur clinique avec de l'expérience clinique et la maîtrise. Mais je ne sais pas si ça répond à votre question. Parce qu'il y a deux différences. Pour les ergothérapeutes qui viennent de France, de la Belgique, les étudiants internationaux, oui, on en a chaque année 12 à 15. Qui viennent faire la maîtrise ici. Cela, après, pour qu'ils veulent pratiquer, ils doivent faire une demande après auprès de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec, mais ils se joignent au cursus à partir de la troisième année à l'hiver. Comme là, on commence là, le cours que j'ai donné, qu'on donne depuis début janvier, on introduit les étudiants internationaux et ils poursuivent. C'est sûr qu'il y a du travail à faire parce que des fois, il y a des liens qu'on fait avec les cours des premières, deuxième années, mais je pense qu'il y a une belle dynamique dans les cohortes qui permettent une entraide même avec les étudiants internationaux. Ce qui est un défi pour eux, c'est bien certains sont ergothérapeutes en France ou depuis plusieurs années, et là, de se trouver dans une position d'étudiant, ça peut être un défi, mais ça se fait. On a depuis quelques années, là, on gradue là, une dizaine d'étudiants internationaux qui restent ici, qui deviennent ergothérapeutes dans différents milieux. Alors, voilà, ça peut répondre à vos questions. Il y a une question pour vous, Laurie, puis Laurent, à l'extérieur des heures de cours, combien de temps consacrez-vous à vos études? Je ne dirai pas à personne la réponse. Oui, c'est un peu difficile de répondre là, parce que ça dépend du cours, ça dépend du moment de l'année, ma charge de travail, mais c'est plusieurs heures. De mon côté, là, c'est pas une heure par cours, c'est plus qu'une heure. C'est ça. Dans les portes ouvertes précédentes, on avait beaucoup de questions concernant la charge de cours. Et si c'était possible, exemple, de travailler en même temps, ça, je sais que des fois, c'est des préoccupations pour certains. Et à titre très personnel, encore une fois, moi, exemple, je travaille un jour par semaine dans un hôpital de réadaptation, et Villa Médica, pour ne pas le nommer. Mais je trouve que c'est correct de concilier un jour avec 5 cours. Mais c'est sûr que je consacre beaucoup d'heures à mon étude malgré tout. Ça dépend. On dirait que moi, j'ai la chance d'avoir des très bonnes collègues de travail. On s'entraide beaucoup. Je trouve que ça l'aide à diminuer. C'est ça. Ça l'aide à passer au travers, comme on dit. C'est exigeant, mais c'est réaliste. C'est ça que j'aurais envie de dire. À un moment donné, ça disait qu'une heure de cours équivaut à je ne sais pas combien d'heures d'études. Là. Je ne sais pas si c'est comme une règle ou si c'est comme... Un crédit, c'est 15 heures de cours. Okay. 15 heures d'études, mais incluant le cours, incluant les lectures. Puis pour les laboratoires, c'est le double. OK. Donc, exemple, et si on reprend le 1 crédit 15 heures, ça voudrait dire qu'un cours de 3 heures équivaut à 3 heures d'études ou à 6 heures d'études? C'est, mettons qu'il y a un cours de 3 heures, ça fait... comment j'ai dit ça? Un crédit, c'est 15 heures. Fait que ça fait 12 heures d'études. Incluant le cours. OK. Ouais. Fait qu'à l'extérieur du cours, tu as environ le double du temps à consacrer à ton étude et à faire les travaux. C'est à peu près ça. Mais tu sais, c'est une règle qui est applicable selon ton horaire occupationnel. Donc, voilà. Et là, on entend par horaire occupationnel comment vous remplissez vos journées avec le travail, les études, voir les amis, sortir, voir la famille, se reposer, écouter Netflix. C'est ça. Ces occupations-là. Oui. Puis on prend ça en, ben,
En ergo, on parle de sens que prennent les activités, d'avoir une variété d'activités. Mais c'est sûr que pendant les études, on a une certaine attente, là, je dirais, des fois, de que le focus, que ça soit sur les études. Oui. Non, c'est ça. C'est bien de se consacrer. Oui. De se donner le temps de pouvoir se consacrer amplement. Il y a combien de cours par session environ? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de filles que de gars? Ça, je peux répondre, et oui. Il y a beaucoup de filles. Dans une, si on a des grosses cohortes, là, c'est sûr, en première année, on accueille jusqu'à 130 étudiants. Et je dirais qu'il y a 10 % de garçons. Nous, dans notre cohorte, exemple, qu'on était 100, je ne sais pas moi, 120, il devait en avoir à peu près 25. Et, bon, il y a beaucoup de personnes au fil des années qui ont changé de programme. Ouais. Maintenant, tu sais, c'est ça, peut-être 10 à 15 %. C'est une profession à majorité féminine, mais... Ouais. Il y en a de plus en plus, je trouve. De plus en plus, oui, c'est ça, j'allais dire. Puis on en veut, venez-vous-en. Ben oui. La parité. Oui. Ouais. Bon. Il y avait un événement là, avec un de nos comités qui était un 5 à 7 avec des cliniciens masculins pour les étudiants masculins parce que justement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a aussi, parce que par exemple, dans notre cohorte, de notre cohorte initiale, il y aurait juste 5 gars. Donc, il y a aussi des programmes là, un peu entre eux pour comprendre la pratique. Puis combien de cours par session? Mais je pense que ça varie. Mais même si des fois, il y a moins de cours, il ne faut pas se leurrer. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de travail. Tu sais, en deuxième année, je pense qu'il y a moins de cours là, à cause de la formule, comment on a monté le programme en APP selon les clientèles. Mais ça demande quand même beaucoup de travail personnel, là, d'études personnelles, la méthode APP. Est-ce que je me trompe? Ça va. Ou un autre exemple, par exemple, moi, presque tout mon bac, j'avais des cours 4 jours semaine. À ma dernière session, à ma session en ce moment en maîtrise, j'ai des cours juste 3 jours semaine, mais j'étudie quand même presque 5 jours semaine. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, alors on pourra s'arrêter, on peut s'arrêter là-dessus. Et merci beaucoup de votre intérêt. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas, là, je peux remettre nos contacts, les courriels. Allez sur le site, je vais enlever ça, là, de Réadaptation U Montréal. Il y a formation en ergothérapie. Allez voir là. Vous allez même voir la liste des professeurs avec nos photos. Donc, gênez-vous pas là, pour poser vos questions. Et ça va nous faire plaisir de vous accueillir en septembre. Merci. Merci, Laurie et Léane, de votre présence. Avec merci. Grand plaisir. Merci à tous. Bonne journée. Merci, Christine. Merci. Bon. Je voudrais arrêter l'enregistrement.